Contact des faits le mercredi 12, non, le mercredi 11 décembre 2019 avec Anne. Alors, Anne m'avait envoyé une photo. D'accord. Guy, on me dit Guy. Ah, zut. Guy. Attendez, je pense que c'est comme ça que vous l'appelez cette personne. Guy. Non ? D'accord. Pourquoi on me dit Guy ? C'est le début de son prénom. D'accord. Mais après, j'ai un grand-père qui s'appelle Guy. D'accord. Alors, si votre grand-père venait aussi à... S'il venait, on l'accepte, d'accord ? Voilà. D'accord. Alors, ce que je ressens par rapport à cette personne, c'est quelqu'un qui est parti brutalement. D'accord ? Hein, ce qu'on est en train de me montrer. C'était pas son moment aussi, on est en train de me dire que c'était pas son moment. D'accord ? D'accord. Guillaume, on me dit Guillaume. Oui. C'est Guillaume ? Oui. Voilà. Alors, avec eux, avec les défunts, Anne, il va falloir être un peu souple parce que c'est vrai que c'est. Vous voyez ? Il me donne des morceaux de choses et puis après il me donne. Mais voilà, il faut être assez souple dans la médiumité, d'accord, par rapport à toutes les informations. Je vais vous transmettre que les messages qu'il va me donner, d'accord. Voilà. Hein, j'ai l'impression que ça n'allait plus pour lui, c'est ce qu'il est en train de me montrer. J'en ai plein la tête, j'en ai plein la casquette, hein. Ça veut dire j'en ai. C'est un débordement, d'accord. Il est en train de me montrer qu'il était en débordement. Il vous embrasse avant tout, très 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 fort, d'accord. Et il dit qu'il a fait une grosse connerie, d'accord. C'est un acte, ce qu'il me montre, c'est, j'ai l'impression que c'est un acte, involontaire, mais volontaire aussi de sa part, mais comment dire, il aurait dû se poser, c'est ce qu'il est en train de me dire, d'accord. Voilà. Les choses ne vont plus comme elles allaient, vous avez du mal à gérer tout en fait, il pensait pas du tout, je veux dire, que ça allait apporter encore plus de problèmes. Vous voyez, dans la situation, il vous demande pardon, il dit. Il veut vraiment, vraiment, il dit, je te demande pardon, je te demande pardon, je te demande pardon, je te demande pardon, je te demande pardon. D'accord. C'est quelqu'un qui a une grande sensibilité, hein. C'est quelqu'un qui est très sensible. Et dans cette sensibilité, il dit, moi, je ne voyais plus rien, je ne savais plus où j'allais, moi, dans ma vie. Il ne parle pas de la vie sentimentale, hein. D'accord. Il parle... Alors, est-ce que Guillaume, est-ce que tu veux bien me dire ce qui s'est passé ? Tu veux en parler après ? D'accord, il me dit qu'il va en parler après. D'accord, qu'il va en parler après. Il a perdu ses parents. Oui. Son père ? Après lui, après son départ ? Avant. D'accord. D'accord. Parce qu'il me montre un homme et, comme son père. Vous voyez quelqu'un qui... voilà. Hein, il me montre aussi ce personnage qui est présent aussi, hein, que je ressens. D'accord. D'accord. Il revient au début avec vous, hein, et il dit que vous avez, il est en train de dire que il a été très heureux avec vous, d'accord. Il aurait aimé à vous apporter beaucoup plus de choses, beaucoup plus vous gâter en fait, vous voyez, prendre soin de vous, vous gâter, partir en voyage, il dit avec vous, hein. Et il parle de garçons aussi, partir avec les garçons, partir avec les garçons. Il me montre 4 garçons, c'est ça. 4 garçons, j'aurais dû partir. J'aurais dû demander de l'aide à mon frère. Pourquoi il me dit ça? J'aurais dû demander de l'aide à mon frère. Oui, parce que mon frère devait venir. Il a refusé, ou voilà, il dit qu'il aurait dû demander de l'aide à son frère, ou je ne sais pas où il n'est pas arrivé à temps, mais il dit j'aurais dû demander de l'aide à mon frère. Il m'aurait aidé, ça aurait été... Vous voyez, il n'arrive plus à gérer les choses. C'est quelqu'un, je veux dire... c'est quelqu'un de volontaire, c'est un travailleur, il me montre ça, c'est un acharné, c'est quelqu'un qui se lève tôt,
Il aime son travail, hein, il aime son travail, ce qu'il fait. Il aime sa famille, hein. Voilà. Il dit, j'aimais ma vie, mais la société me tuait, il dit. Les finances me tuaient, il dit. On a l'impression qu'on gagne un peu d'argent, hop, il faut réinvestir dans quelque chose d'autre parce que ça ne va pas. Vous voyez ? Voilà, arrête de faire des bêtises, toi. Fabrice, hein. C'est qui Fabrice ? C'est ton frère. C'est son frère, hein ? C'est ton frère, voilà. D'accord. Il dit Fabrice. J'aurais dû demander de l'aide à Fabrice. J'aurais dû demander de l'aide à Fabrice. Voilà, il m'aurait aidé. Ça aurait été mieux. Vous voyez Vous aviez discuté avant hein, certaines choses avec lui. Il me dit on a l'impression qu'il y a une discussion et puis il ne sait pas où il va. Il n'arrive pas à réfléchir. Il me dit qu'il était en pression, qu'il était en train de faire un burn-out. C'est ce qu'il est en train de me montrer. Vous voyez, il n'arrivait plus à gérer, à voir plus clair les choses. Et voilà, il était en dépression, il me dit. Oui. D'accord. Alors, il me dit aussi qu'il est parti cette année. D'accord. En début d'année, il me dit. Début d'année. On devait partir l'été, on devait partir quelque part avec les enfants. Voilà, je voulais aller dans l'eau, vers l'eau. Je voulais aller ou dans un lac ou bord de l'eau, quelque chose avec les enfants. Voilà. J'y arrive pas, il dit. J'y arrivais plus, il dit. Et j'ai pas le temps de me faire soigner. J'ai pas le temps de me faire aider. J'ai pas le temps. Il est constamment. Voilà, j'ai pas le temps. Hein, vous vouliez l'aider, mais bon, il veut faire les choses par lui-même. T'as assez de boulot, tu as assez de travail comme ça. Vous voyez, il ne veut pas vous épuiser. Il me dit, tu me manques. J'aimerais tellement te serrer comme ça, fort. Voilà. Vous avez un problème de la cheville, du genou, de la jambe, Anne ? Quand j'ai eu mon accident, là, j'étais fort blessée au genou. D'accord, hein, il me montre ça. Et il dit qu'il est désolé. D'accord ? Voilà. Il dit, c'est moi qui devrais prendre soin de toi. Encore. Il s'est suicidé, Anne, hein? C'est ce qu'il est en train de... D'accord. D'accord. Il dit pardon. Il a pété les plombs, il me dit. Vous voyez, il voyait plus clair, il voyait plus rien, il voyait plus debout en fait. Non, voilà. Je m'en fous de ce que les autres pensent de moi, il dit. C'est bien. Il dit, je m'en fous. Il dit, je serai pas le seul à partir comme ça dans cet état. Il dit, il était agriculteur parce qu'il me dit, j'étais un agriculteur fier de l'être, fier de mes bêtes, fier de ma terre, fier de ce qu'on m'a donné. Mais on n'en peut plus, il dit. On n'en peut plus. On est sous pression. On n'en peut plus. On gagne rien. On gagne que de la misère, il dit. Oui. Hein? Il veut pas que ses enfants continuent là-dedans. Il veut que les enfants étudient il dit, je veux que mes gosses soient propres. Hein. Je veux qu'ils aient un métier où ils partent le matin, ils rentrent le soir, ils ont leur salaire. Je veux qu'ils avancent. Il faut le dire aux garçons, il faut qu'ils étudient. Il faut qu'ils avancent, il faut qu'ils réussissent. Voilà, c'est trop dur. Le métier que j'ai fait était trop dur. Hein. D'accord. Vous avez gardé l'exploitation parce qu'on a l'impression encore qu'il y a l'exploitation. Il y a les aînés, il me montre que les aînés sont là pour tenir en fait. Oui. D'accord. Il est fier de ses fils, hein, de tous. Oui. Il dit qu'il veut que les petites étudient. Oui. D'accord. D'accord. Est-ce que tu veux bien me donner les prénoms de tes enfants? Est-ce que c'est possible? L'aîné, c'est Alexandre ou quelque chose comme ça? Oui, Alexandre. Mais il y a un autre prénom avec, mais il y a Alexandre dedans. D'accord. Hein. Il dit. D'accord, pourquoi il fait ça? La Pierre? Pierre Alexandre. D'accord, il dit Pierre.
comme la pierre. Il est comme son père, hein, Pierre-Alexandre, hein, c'est un bosseur, c'est un jeune homme, hein, il dit c'est mon fils, c'est un beau jeune homme. Hein. Oui, c'est un beau Il jeune dit tu homme. peux être fier de nos enfants, il dit. Moi, j'en suis fière. Voilà, tu peux être fier de nos enfants. J'en suis fière aussi. Je vois tout le boulot que j'ai dû laisser. Vous voyez? Voilà. Vous vous êtes organisé avec les enfants. Hein? Chacun a une responsabilité. Chacun a une responsabilité pour pas que vous ayez tout à faire. Alors, chacun vous aide. D'accord? Il dit, c'est très bien ce que tu as fait d'organiser les enfants. C'est à eux maintenant. Ça va revenir à eux. Mais il dit que les plus jeunes doivent travailler, doivent bosser. Vous voyez, c'est ça qu'il veut. Hein? Je veux que mes enfants. Il dit, j'aimerais tellement que mes enfants soient soudés plus tard encore, et encore, et encore, et encore. Il dit. D'accord. Alors il se fait aider, hein, tout d'un coup il s'est arrêté, il me dit, je me fais encore aider, je me fais encore aider, je me fais encore aider, je me fais encore aider. Hein? D'accord. Et quand il a fait cet acte, il est en train de me dire qu'il a voulu revenir. Ah oui. Il pouvait plus. Oui. Il a voulu revenir. Il a pris peur. Il a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Hein? Il a, il savait le chagrin, tout ce qu'il allait. Il me dit, je voulais revenir, j'ai pas pu revenir. Il dit. Il m'a dit, il a le sourire comme ça, et il dit, On s'est marié en 97. voilà, il a le sourire comme ça, il dit, 97, 97, il dit, ça a été mon plus beau bonheur. Oui. Comment dire, il dit, tu es belle. Hein. Merci. Il dit, tu es belle. Hein. Arrête de croire autrement, tu es belle, il dit. D'accord? Il sourit, il dit, on est beaux tous les deux, hein? D'accord? Il aime bien plaisanter. C'est quelqu'un qui aime bien jouer, plaisanter, taquiner en fait. Taquiner. Hein? Il taquine. Et il dit que il a retrouvé, je veux dire, possession de son être, de son corps, de certaines choses. D'accord? Voilà. Il me dit son corps. Voilà. Il est en progression. Lui, la mort, pour lui, c'était pas envisageable. Puis il dit, je croyais pas forcément quoi que ce soit. Je suis un peu athée là-dedans. Voilà. Mais il n'est pas fermé. Il dit, j'étais pas fermé, mais j'ai trop de choses à penser. J'ai même pas le temps de lire un livre. Hein. J'ai même pas le temps de lire quelque chose, d'avoir du temps, de dire, je me pose et je prends du temps. Voilà. Il aime être près de vous. Hein, il me montre ça. Hein, D'accord. mettre la tête comme ça, où vous êtes, vous D'accord. voyez, tous les deux D'accord. devant. Il dit, quand on avait la possibilité d'être devant la télé, d'être un peu tous les Oui. deux, Oui. voilà. Hein, vous aimez être à côté de lui, voilà. Mais il s'endort, hein, il dit qu'il s'endormait. Il était tellement crevé qu'il s'endormait. Il dit, je fais une mini-sieste avant d'aller me coucher. Allez, au dodo. Allez, maman, elle couche tout le monde. Hein. Tout le monde au lit. Anne, il est en train de me dire qu'il a eu la chance et la possibilité de revenir. Vous voyez, de venir près de vous, en fait. D'accord, hein? De venir s'allonger près de vous, il dit. D'accord, hein? Alors, j'ai mal à la gorge. Est-ce qu'il a fait quelque chose au niveau de la gorge, hein? Oui, Hein, j'ai la gorge toute sèche là. c'est pendu. D'accord. Parce que j'ai la gorge. Attendez 2 secondes. Parce que. Ah, j'ai la gorge toute prise. D'accord. Alors, il dit qu'il n'a pas souffert. D'accord. Hein? Ça lui a coupé le souffle, mais qu'il s'est retrouvé éjecté de son corps. D'accord. D'accord. Hein? Il y avait les vaches. Comment? Il y avait des vaches là où il était. Hein? Il a fait ça avec ses amis, il dit.
vous savez, et pas avec ses amis. Mais c'était pas sur l'exploitation, mais la maison où on avait, il y avait des génisses à côté, dans une prairie à côté. Ouais, parce qu'il me dit, il dit, j'avais mes amis, mais il parle des vaches, en fait. Vous voyez? Il parle avec elles. Il me montre qu'il parle avec ses animaux. Il aime parler avec eux. Alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Allez, oh, t'es pas été gentil, là. Alors, il me montre ça, qu'il parle avec ses animaux. Vous voyez, même si c'est un agriculteur, il aime ce qu'il fait, la terre et tout. Vous voyez, il me montre ça. Hein. Il dit, moi, j'aimais bien parler avec eux. Elle n'est pas toujours là, hein, ma femme. Donc, il fallait bien que je parle avec quelqu'un. Voilà. C'est vrai qu'il parlait beaucoup avec elle. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que tu veux me dire d'autre? Hugo? Oui, c'est un de mes fils. C'est le troisième? Oui. C'est le troisième, il me dit. Il veut qu'il étudie, dis-lui. Il faut s'approcher aux études, il faut qu'il étudie. D'accord? D'accord. Voilà. Il faut qu'il écoute les aînés. D'accord. Hein, on a l'impression qu'il veut aussi faire pareil comme les aînés. Oui, vous oui, voyez oui, oui. Voilà, mais il faut qu'il comment dire, il faut qu'il y arrive, hein, il me dit. D'accord. 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 Il avait qu'un frère, Anne. Non, non, non. Fabrice, c'était son demi-frère, mais il avait un frère aîné, un autre frère aîné. D'accord. D'accord. Mais c'est pas la même chose, j'ai l'impression. Vous voyez? Mais pour lui, son frère, c'était Fabrice. Voilà. C'était pas... Il me dit que c'est pas la même relation. Que c'était pas la même non, relation. Pas du tout. Il n'y avait pas cette entente entre eux. Non, pas du tout. Voilà. Vous voyez? Et il me dit que Fabrice, c'est son frère. Hein, même si c'est son frère. Oui, c'est son frère. C'est celui qui a toujours été là. Qui vient le voir, qui lui donne conseil, qui va lui donner un coup de main. Je veux dire, il y a plus de relations avec Fabrice. Fabrice et sa femme, il dit, que mon propre frère. Ça n'a pas été facile dans sa vie avec ses parents, avec son frère, tout ça. Hein, il a des blessures de ça. Hein. On a l'impression qu'il est même rejeté, que tu ne foutras jamais rien, tu n'y arriveras jamais rien. Vous voyez, on l'a déjà castré, déjà fait du mal, déjà petit. Vous voyez, il me dit, tu sais, c'est tout ça en fait, tout ça. Et tout ça me revenait de mon père. Vous voyez, il a des comptes à rendre avec son père par rapport à tout ça, des choses à régler, il est en train de me dire. D'accord? Il dit pour le mieux, mais j'ai quand même des choses à régler avec lui concernant ça. Hein? Ça lui a fait du mal. Et il dit que, heureusement que vous étiez là avec les garçons. C'est vous qui lui avez donné du bonheur dans sa vie. D'accord. Il me montre 44 ans. Il est parti à 44 ans, 45, 44, 45 D'accord. Voilà. Il est jeune, hein. Il dit oui à un gros bébé. Je pense que vous n'avez pas que 4 enfants, vous en aviez 5. Hein. Avec lui, le premier. C'était le plus gros. C'était l'enfant plus que les autres enfants. Exactement, c'est ce qu'il est en train de me dire. Il me dit qu'il avait besoin justement de retrouver en vous la maman, la femme, la maîtresse, la compagne de jeu. C'était tout. Oui. Il dit, elle est tout pour moi. Je lui enverrai des bouquets de fleurs, il dit, des bouquets de marguerites, des bouquets de marguerites, des fleurs, des... Tout pour elle. Un champ, il dit. Un champ où je la mettrai dedans et je pourrai l'enlacer comme ça, il dit. Oh, il est gentil. Vous lui demandez quelque chose, je peux pas, mais dès que je peux, je le fais. Il le faisait, vous voyez? Toujours. Il dit, bon, là, je peux pas, mais ça l'embête. Il faut absolument qu'il vous le fasse. Hein. Voilà. Vous voyez, c'est important. Vous ne voulez pas non plus trop l'embêter sur ça, hein, mais des fois, vous n'étiez... c'était moi qui devais faire ça, il dit. Voilà. Ah, le chat qui m'attrape.
Il avait les huissiers, derrière lui, Anna, Oui, hein, c'était ça, les oui, huissiers. Parce qu'il me dit, j'avais les huissiers aux fesses. Hein. Et en fait, ce n'est pas forcément une dette d'argent. Il me parle, c'est surtout les AGO, Vous voyez, les retards de paiement qui font que, voilà. Mais bon, il dit, et on attend de l'argent, et l'argent n'arrive pas pour payer ça. Vous voyez, ce n'était pas volontaire. C'était que, il y avait un remboursement à faire et ça prenait du temps pour que ça Oui, soit voilà. remboursé. Et le temps que ça remboursait, ben, il y avait des AGO. Et du coup, on l'appelle. Alors, quand est-ce que vous allez payer vos créances? Et il dit, moi, j'ai pété les plombs. Il dormait plus, hein, il me dit qu'il dormait plus. D'accord. Fabrice vient de temps en temps vous voir avec les enfants? Ah non, on est à 700 km, mais D'accord. il nous appelle régulièrement. Ça, D'accord. la famille nous appelle régulièrement. D'accord. La lettre S. S. Il me parle du deuxième. S. S. S-T-A. Sta. Sta. Sta Ça. quoi? Sta. Ah, le chat qui me mord. Ah, Sta, sta. Sta quoi? Pas Stallone? Non, non, il rigole. Non. Il aimait bien Stallone. D'accord. Mais il fait. Mais il dit, c'est mon petit Stallone. Stanislas ou Stanislas, c'est ça, Quasi. Stanislas. Voilà, il me dit, mais c'est mon Stallone. En fait, il dit qu'il aimait Stallone, mais il aime bien aussi les trucs, vous savez, chinois là. Oui, Il fait comme ça. karaté, c'est ça. Voilà, c'est ça. Bruce, vous voyez? Oui, voilà, Bruce Lee. Bruce J'adorais Bruce Lee. Lee. Voilà, il rigole de ça. Hein. Ça lui fait sourire. Hein. Il dit qu'il est heureux de l'autre côté. Ah, c'est bien. D'accord? Qu'il va bien de l'autre côté. D'accord. J'ai pas été. Comment dire. Mon suicide n'a pas causé. Comment dire. Un gros tort. J'en pouvais plus, il dit. D'accord? Il me dit, j'ai fait un acte que je n'aurais jamais dû faire, mais on n'est pas jugé de l'autre côté. Au contraire, on nous apaise. Et je vais beaucoup mieux, il dit, maintenant. D'accord? Vous ne vouliez pas faire le contact des femmes. Vous avez eu peur d'être déçu, il dit. Il dit, c'est mon plus beau cadeau que je puisse te faire à Noël. Oh, c'est gentil, merci. D'accord? Vous aviez peur justement qu'il ne vienne pas ou vous lui avez demandé, sollicité. Il dit qu'il n'allait pas louper ce moment-là. Oh, c'est gentil. D'accord? Voilà. Il me fait rire quand il marche hein, parce qu'il me montre une allure. Il a sa propre allure quand il marche. Vous savez? Un peu cow-boy. On dirait qu'il va dégainer. Vous voyez? Alors, est-ce que tu veux bien me donner le prénom de ton fils aussi? Le petit dernier. Le petit dernier, il a quoi? 11 ans? 12 ans? 12 ans. 12 ans? Alors, est-ce que tu veux bien me donner le prénom de ton petit du petit dernier, s'il te plaît? Tété, il dit. Tété, tété. Oui. Il appelait Tété? Non. Il me dit c'est ma petite tête, ça. Il dit c'est la surprise. Hein. Ça a été la surprise, il dit. C'est la surprise. On pensait une fille et encore un garçon. On voulait une fille, il dit, mais encore un garçon. Il dit c'est sa faute, hein. C'est pas la vôtre. Il dit c'est la sienne. Hein. Arabie? Pourquoi tu me dis Arabie? Terence? Terence? Oui, C'est Terence? c'est ça, Voilà. Terence. Terence. Mais. Bon, il faut qu'ils arrêtent les plus grands de l'embêter, hein.
Ah, c'est gentil de dire ça, parce que c'est vrai en Hein? plus. Parce que Terence est un peu comme son papa. Il a Oui. un côté fragile, il a un côté Oui. plus sensible. D'accord? Oui. C'est pas du tout un enfant bagarreur ou un enfant, Non. qui a le dernier mot, qui va vouloir Oui. avoir raison. C'est plus un joli cœur, il dit. Oui, D'accord, hein? Terence, c'est plus un joli cœur. Voilà. oui, Il aime entourer oui. des filles, c'est un rêveur. Oui. Il faut que les garçons, il faut que les garçons, ils viennent, ils ne l'embêtent plus, au contraire, hein? Il faut qu'ils le protègent. Terence, c'est celui qui souffre le plus aussi. D'accord? C'est le plus jeune. Il dit, sinon je viendrai tirer les oreilles aux plus âgés. Il parle surtout du troisième, hein, et du quatrième. Hein, je veux dire du deuxième et du troisième. Hein. D'accord. Oui, mais D'accord? c'est surtout ces deux-là, oui. Voilà. Il dit, sinon je vais leur venir leur mordre leurs orteils. Quand ils dorment, ils vont voir ce que c'est. Ils lui font peur, vous voyez, il le taquine et tout. Laissez-le vivre sa petite vie, il dit, tranquille. Ben Voilà. Et Terence, il a besoin de sa maman. D'accord. oui, il y a de ce Voilà, moment. c'est sa maman. Et ça a un peu de jalousie là-dedans. D'accord? Oui, Il dit, ils n'ont qu'à exprimer leur amour à leur mère. oui. Vous voulez poser des questions maintenant, Anne? Oui, j'aimerais savoir si on était liés pour l'éternité ensemble. Toujours, il dit. Toujours. Pour toujours, il dit. D'accord. Pour toujours. Lui et vous, quand vous vous êtes rencontrés tous les deux, d'accord, il est en train de me dire, quand vous vous êtes rencontrés, vous avez su tout de suite que vous étiez faits l'un pour l'autre. Oui. Vous voyez, il y a eu cette magie dans les yeux. Vous saviez que c'était lui. Vous êtes tombés tout de suite amoureuses, hein, et lui aussi. D'accord? Cette relation, elle s'est vite. Elle est arrivée, et du coup, tout a été par le regard. Vous n'osiez pas lui parler. Et il Non. dit, vous étiez toute timide, toute réservée. Oui. Il dit, je savais que c'était toi. C'était une D'accord. attirance. On ne sait pas pourquoi. On est attirés l'un pour l'autre. Et tout s'est fait facilement, en fait. Voilà. Vous alliez en cachette le voir des fois? Ou c'était lui? Pourquoi il me montre, hein, en cachette? Voilà, parce qu'il me montre comme si au début on se fréquentait, mais en cachette, en fait. Vous alliez le Oui, voir en parce que cachette. les parents ne voulaient pas. Voilà. Ils ont fini par accepter, de toute façon. Oui. Sinon, vous auriez fui avec lui, de toute façon. Oui, oui, oui. Vous voyez? Vous auriez fui avec lui. Oui. Il dit qu'il vous aurait emmené au bout du monde s'il fallait. Alors. Ma petite chérie, il dit. Il dit qu'il est heureux de l'autre côté, mais sans vous, c'est pas la même chose. Ah ben non. Voilà. D'accord. Il est en train de me dire aussi, Anne, qu'il va continuer de l'autre côté à. Je veux dire, il va avoir la possibilité de vous aider parce que, je veux dire, on a l'impression qu'actuellement, il y a certaines choses dans vos affaires qui sont gelées. On a gelé certaines Oui. choses. Vous voyez? Et Oui. ça vous permet aussi d'avoir un peu de répit aussi. Oui, D'accord? Du parce qu'on a répit. mis la société en redressement pour D'accord. justement geler pendant un bout de temps. Exactement. Et il dit, tu as eu raison de le faire. Voilà. Il n'a pas pensé à ça. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va jusqu'au dernier moment, voilà. Et il dit que vous avez bien fait de geler les choses en attendant que tout se remette en place et que vous receviez l'argent que vous devez recevoir pour payer, en fait. D'accord? Voilà. Et prendre un nouveau départ avec les jeunes, hein, il dit, avec Méphiston. À vous gronder, hein, quand même, hein. Pour qu'on fasse attention aux affaires, hein. Allez, aux équipements et tout ça, hein. Qu'on prenne soin. Parce que c'est quand même quelqu'un qui prenait soin, hein, Guillaume, de ses affaires. Et vous voulez que ce soit propre, que ce soit soigné, que voilà, on n'aura pas d'autre à en acheter pour l'instant. Donc il faut faire attention. Qu'est-ce que vous semez, Anna? Vous semez quelque chose? Je ne sais pas, vous êtes agriculteur, vous semez quelque chose?
Oui, on sème ben, des maïs. D'accord. D'accord. Parce qu'il est en train de me montrer quelque chose. Il me dit, moi, je sèmerais de la lavande. Mais ça, c'est pour me mettre dans les fleurs. Hein. Vous voyez? Vous n'êtes pas dans le sud, parce qu'il ne me montre pas dans le sud. Il me montre la montagne. J'ai l'impression que je Non, vois oui, la... on est dans le Rhône-Alpes. D'accord, parce qu'il me montre la montagne de loin. Et voilà. Et il me dit, moi, si je pouvais, je mettrais que de la lavande. Parce que notre projet, c'était qu'on parte dans les Baux-de-Provence. C'était D'accord. ça, ce qu'on rêvait, c'était partir dans les Baux-de-Provence. Et les Baux-de-Provence, c'est la lavande. D'accord. D'accord. C'est pour ça qu'il me dit que lui, s'il pouvait, c'était la lavande, en fait. D'accord, j'ai compris maintenant. Mais il vous fait un beau cadeau en vous disant ça. Il est en train de me dire qu'il ne veut pas que... Là, bon, vous avez ce petit accident. Il dit, tu regardais pas. Tu regardais Ben, pas. si, si, c'est la vache qui m'a foncé dessus, je ne sais pas pourquoi. Il dit, tu regardais pas. Alors, pourquoi Guillaume vous dites ça? Elle regardait pas, il dit. Elle regardait pas. Elle devait voir quelque chose. Et c'est pour ça que la vache, elle lui a marché dessus. Mais vous... Il vous a attiré l'attention sur quelque chose d'autre et vous ne l'avez pas vu. Anna. Non, c'est pas ça. Elles étaient sauvées, donc je suis sortie pour les remettre et il y en a une qui m'a foncé dessus. Eh ben dis donc, c'est des taureaux que vous avez, c'est pas des vaches. Ben oui, surtout qu'elle m'a fracturé plusieurs vertèbres dorsales, donc Waouh. ouais. D'accord. Il dit que c'est la plus terrible, celle-ci. D'accord. Ben, je sais pas, mais physique, elle est gentille, donc Ouais. mais moi je pense qu'elle est très. Très sanguine. Alors, il insiste, il dit qu'il voulait attirer votre attention sur quelque chose. Et c'est pour ça que ça s'est passé. En fait, ça n'aurait pas dû être passé comme ça. D'accord? Vous auriez dû D'accord. vous écarter, il dit. Oui, Et normalement j'aurais dû être comme ça, mais vous êtes resté j'en figé. veux. Vous avez pensé qu'elle allait dévier ou et vous êtes resté figé et du coup elle vous a envoyé paître en fait. Voilà. Vous voyez, c'est ce Ouais, qu'il est en train voilà. de me dire. Ouais. Il me dit, c'est pour ça qu'il dit que vous auriez dû être vigilante. Vous voyez, c'est ça. Il est vraiment, je veux dire, il est en train de me faire sentir vos douleurs. Il me dit, tu vois comme elle a mal. J'ai mal, même vous voyez, au bas du dos, en fait aussi. Ouais, Au bas c'est du ça. dos. Je crois que j'ai un gros hématome au bas du dos. Quand je vous Ouais. ressens, hein, Anna, d'accord? Voilà. J'ai été opérée, donc maintenant c'est les cicatrices comme opération. D'accord. Eh bien, du repos, il faut. Oui, C'est voilà. que du repos. Et que les garçons s'occupent un peu de vous aussi. D'accord. C'était pas ton moment de partir, il dit. Ah, parce que j'y ai pensé C'était quand pas ton elle moment de m'a. partir. C'était pas ton moment de partir. Méfie-toi des bêtes, il dit. Elles sont imprévisibles. Ne te fie Non, mais pas je à verrai elles. plus. Vous voyez, il dit, ne te fie pas à elles. Tu aurais dû te pousser. Tu l'as pas fait. Tu t'es dit, bon, elle va dévier. Ou... Ne te fie pas. Ne pense pas comme nous. C'est à nous de penser pour eux. Voilà. Ah, elle vous a carrément foncé, hein, il me montre ça. Hein. Hein, elle a fait le taureau, elle a fait le Ouais, taureau, elle hein. fait les Elle taureaux. a fait le taureau, hein, parce qu'il me fait comme ça. Et... hein, vous avez valsé là, hein, vous avez eu un gros coup valsé. Hein, voilà. Elle vous a prise par derrière? Elle est revenue plusieurs fois, oui. Elle m'a Wow. rechangé plusieurs fois après. D'accord. Je me suis venue, j'ai cru que j'allais mourir, mais Ah oui. non. Oui. Mais il dit que ce n'était pas votre moment. Ouais. D'accord? Ouais. Vous avez pensé à ça. Allez le rejoindre. Et il dit, mais qu'est-ce que seraient devenus nos garçons? D'accord? Ce n'est pas le moment, ma chérie, il dit. D'accord? Il va vous aider, hein? Il dit qu'il va vous aider pour que les choses se règlent. D'accord? Pour que les D'accord, choses se règlent. d'accord. Voilà. Il dit deux dans la même année, qu'est-ce que ça aurait été pour ses enfants? Oui. Voilà. Pense au petit, il dit, pense au petit.
Il dit, moi, j'ai une vie tellement compliquée, déjà, avec ma propre famille. Il dit, j'aurais déménagé. Il dit, si j'aurais pu, j'aurais changé de famille aussi. Et c'est drôle ce qu'il me dit. Il dit, il aurait préféré être à la DAS, être à la DAS que vivre ce qu'il a vécu, en fait. Ah, Guillaume, Guillaume. Il parle du vin, le vin, le vin, le vin, le vin, le vin, le vin, Il est le mort, vin, le vin. le vin, le vin, d'accord. Oui, le vin. C'est le vin, il est parti D'accord, le vin. le vin, le vin. Il dit le vin, mais un petit vin, ça ne fait pas de mal non plus. N'y a plus le droit, il dit. On n'y a plus le droit, il fait. C'est l'eau de la source, il dit. C'est l'eau de la source. C'est l'eau de la source. On n'y a plus le droit, il dit, à ça. À ses bons save à ses bonnes saveurs. Il aime bien manger, hein? Oui, D'accord. oui, oui. Il aime bien quand il arrive que vous avez préparé. Vous vous hâtez pour Oui. préparer toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose de prêt, de toute façon. Il dit, Oui, voilà. Moi, je ne serai rien préparé, il dit. oui. J'ouvre le frigo, il n'y a rien. Mais s'il y a Non. des choses. En fait, même si le frigo il est plein, il n'y a rien parce qu'il ne s'est pas préparé. D'accord, Non. Anne? Oui. Je t'aime. Il me dit, je t'aime à la folie, il dit. Moi aussi. Je t'aime pas plus qu'un peu, il dit. Oh. Je t'aime plus que plus. D'accord. Est-ce que tu veux bien me donner d'autres informations avant de passer de l'autre côté? Il me dit qu'il y a des papillons. L'été, il y a eu des papillons autour de vous. Des Oui, papillons. beaucoup. J'en ai eu tout l'été. Tout l'été. Et c'est rare d'avoir autant de papillons. Il dit qu'il vous a Oui, emmené plein de papillons autour de vous. oui, oui, C'était oui. d'accord cet été. Oui. Ils vous disent, c'est pas possible, tous ces papillons, ces papillons. Et en fait, il vous a amené plein de papillons, il dit. Oui, il en avait D'accord? toujours plein, plein, plein. Voilà, c'est des signes, ça, hein? C'est un signe pour lui, pour amener des choses, d'accord? Il montre, c'est sa façon à lui de montrer, c'est les papillons, en fait. D'accord. D'accord? Est-ce que tu as d'autres choses? Il dit qu'il a vécu un bonheur, hein? Le bonheur avec vous. Que tout était simple avec vous. Vous voyez que tout est simple, rien n'était compliqué. Et c'est drôle, pourquoi il me dit le bonheur simple, hein? Il me marque quelque chose. Parce que la société qu'on a, ça s'appelle le bonheur simple. Parce il me met ça. Vous voyez, il me montre devant chez lui. Le nom de notre Il me société. montre devant chez lui, il me met ça en fait. Hein? D'accord, hein? Ouais, ouais, Hein? ouais. Nous, on est simple, il dit. On ne demandait pas Mmh. plus. Hein? Non. On ne demandait pas plus. On veut vivre dignement, il dit. Voilà. Voilà. On ne demande pas être riche. On veut vivre Non. dignement. Et si on a envie de se payer des vacances pour nos enfants, avoir la possibilité de dire on passe des vacances avec nos enfants. Il y en a, ils en ont de Voilà. la chance de faire du sport, il dit. De faire du ski, de faire des choses comme ça. Voilà. Il dit, je revendique. Il dit, je fais grève. Ils pouvaient pas faire grève, hein. C'est pas vrai, hein. Non, non, les Non, agriculteurs, ils font jamais grève de toute façon, non. hein. C'est pas pour eux ça. Ils vont quand même bosser parce qu'ils ont des responsabilités. Voilà. C'est pas quelqu'un qui rouspète ou quoi que ce soit, d'accord, Anne. Hein? C'est pas du tout son caractère. C'est quelqu'un qui veut vivre dignement. Et malheureusement, cette Mais dignité, on lui a enlevée. C'est surtout ça. Et puis, il n'a pas eu de soutien de sa propre famille de l'autre côté. C'est surtout ça aussi. Il dit qu'il vous aime énormément et qu'il continue à Merci. vous aimer. Il dit, prends soin de toi, repose-toi. Alors, vous en avez pour un bon mois, hein, là. Hein? Encore 2 mois encore. Voilà. Hein? Parce qu'après, il y a la rééducation aussi. Hein? Oui, D'accord? oui, Disons qu'un mois et après la deuxième mois, on pense peut-être à la rééducation d'ici là. oui. D'accord? D'accord. Hein? Il dit que tu remarcheras.
Ben, j'espère. D'accord? Voilà. Ne fais pas trop d'efforts. Voilà, ne fais Non, pas trop non. d'efforts, il dit. Vous n'aimez pas les mouches? Il me fait comme ça. N'est-ce pas avec les mouches dans la cuisine? J'aime pas les mouches. Voilà, il fait comme ça. Ça le fait rire. Hein. Mais laisse-la, la pauvre. Mais non, j'aime pas les mouches. Voilà. Il dit qu'il vous embrasse très très fort. D'accord. D'accord. Il dit aussi qu'il embrasse les garçons. Voilà. Les quatre. Hein. Il les prend comme ça. Il vous prend tous les cinq comme ça. D'accord? C'est drôle comment il me montre parce qu'il vous met, vous, les enfants, il vous prend comme ça, tous ensemble. D'accord. Voilà. D'accord. Il dit, mes bras étaient petits, mais là, je peux vous serrer tous ensemble, il dit. C'est la première fois que vous prenez contact avec lui, Anna? Non, j'avais pris des grands contacts avec d'autres personnes, mais c'était très décevant. Je savais que c'était pas, il n'était D'accord. pas là en fin de compte. D'accord. Parce qu'il me dit, j'étais pas en contact. Vous voyez, Là, je me doute. c'est que maintenant qu'il dit qu'il a eu la possibilité d'être en contact. Hein? Mmh. C'est pas, il dit qu'il n'était pas pris. Il n'était pas pris. Et qu'il s'en excuse, qu'il c'était trop, comment dire, trop tôt pour lui. Oui, je pense que c'était D'accord? trop tôt. Voilà. Il ne faut pas leur en vouloir. C'était trop tôt pour moi, il Non, dit. non, D'accord? oui. Il s'amuse, hein. Il fait là, 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 là. Il joue, là. Il joue, il aime bien. Hein. Des fois, franchement, hein, quand je le vois faire ça, j'ai l'impression que vraiment que c'est un enfant. Hein. Hein. On se demande même si qui est le fils l'aîné ou si c'est lui le père ou c'est le fils aîné qui a la responsabilité. Vous voyez? On a l'impression que tous les deux, l'aîné et lui, c'est compétition tous les deux. Mais un grand respect de son père. Voilà. Voilà. La vie est un moment de joie, il dit. Malgré les choses qui se passent dans nos vies, ce qui touche nos cœurs, nous blesse, mais la vie, ce sont des moments de joie. D'accord. Il va bien, il veut que vous preniez soin de vous et que vous alliez mieux. Hein? Et il dit que il reviendra vous faire des signes de toute façon. D'accord? Des fois, vous avez l'impression qu'il va rentrer. Qu'il va rentrer, qu'il va ouvrir la porte, qu'il va rentrer dans votre chambre. Vous voyez, il dit que quand tu as cette image, c'est que c'est je rentre à la maison. D'accord? Des fois, vous dites, eh ben, ça y est, il sort les bottes, il enlève les bottes et hop, il va rentrer. D'accord? Et il pouvait même rentrer des fois avec les bottes pleines de boue dans la maison et vous grogniez. D'accord? Il est en train de me dire. Et des fois, je faisais attention pour ne pas salir. Il allait chercher quelque chose, mais il laissait toujours un morceau de boue et vous disiez, mais c'est pas possible. Hein? Il dit qu'il va rentrer à la maison, qu'il va rentrer à la maison. Donc, c'est une façon de dire qu'il vient vous rendre visite. D'accord? Il va vous laisser des traces, vous inquiétez pas, Anne, il a l'habitude. Hein? D'accord? Hein? Voilà. Il vous embrasse très fort. Il dit qu'il doit passer maintenant, qu'il doit y aller, mais qu'il reviendra vous voir. Il dit, embrasse tes enfants, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Alors lui, c'est je t'aime, je t'aime. Il faut lui répondre, oui, je t'aime. On l'aime fort. Voilà, parce que s'il n'a pas entendu. Vous voyez? Si, il a dit, je l'aime très fort. Voilà, il l'a entendu, il dit. Il dit comme ça, il attrape, il dit, il le met là. Oui. Voilà. Voilà, Anne. Merci beaucoup. Ça va? Ah oui, vous êtes extraordinaire. J'ai jamais vu quelqu'un, pourtant je n'ai plus les deux médiums avant, mais vous êtes vraiment extraordinaire. De la précision, les prénoms. Anne, c'est parce que c'est eux qui me donnent les choses, d'accord, hein? Voilà. Après, certains médiums peuvent avoir des informations, d'autres en auront moins ou pas.
Parce que, je veux dire, ce n'est pas forcément que je suis plus extraordinaire que les autres. C'est simplement, est-ce que c'est le moment pour eux? Est-ce qu'ils ont choisi? Qui choisissent? Est-ce qu'ils veulent parler ou pas parler? En fait, on est un peu embêté avec ça, parce que ce n'est pas forcément... Vous voyez, vous avez eu une médiumité très fluide, parce qu'il a voulu, il a permis que ce soit fluide aussi. D'accord, hein? Oui. Et que vous aussi, vous étiez dans cette attente aussi fluide pour être en contact avec lui. D'accord, oui. Après, il y a certains, je veux dire, chacun travaille avec je veux dire, est un pont avec l'autre monde, différemment, bien sûr. Mais il y aura des contacts défunts où peut-être que je ne donnerai pas de prénom parce qu'on ne me donne pas de prénom. Donc, ça, il faut aussi le savoir aussi. Ou ils vont me donner des brefs, les premières lettres. Et puis, à ceux, c'est plus facile. Donc, vous faites partie de celles... Il avait aussi le besoin aussi de vous réconforter, il me disait, parce que il sait que vous l'avez fait appel à lui plusieurs fois, mais il ne pouvait pas venir. C'était pas qu'il ne voulait pas, c'est qu'il ne pouvait pas. Il n'avait pas le droit de venir. C'était trop tôt. Okay. D'accord. Et pour pas que, justement, envenimer, je veux dire, son état, parce qu'il s'est quand même suicidé, cet homme, pour pas que ça soit encore plus douloureux, donc on a préféré faire attention. Ça ne veut pas dire que ces médiums-là, je veux dire, elles vont donner certainement d'autres messages à d'autres personnes beaucoup plus fluides. Voilà. Oui. On ne peut pas juger, en fait. Vous savez, La question, c'est que, après, je veux dire, vous n'avez pas la personne, il ne faut pas faire croire à la personne qui est en face de vous que la personne est là, en fin de compte, parce que c'est plus traumatisant. Bien sûr. Parce que moi, la dernière médium, quand même, elle m'a dit, c'est simple, c'est soit il suicidé ou il divorcé. Donc, je suis restée avec ça dans la tête. Il ne voulait pas divorcer, ne vous inquiétez pas, ce n'était pas son truc, hein, de divorcer. Il vous aime énormément. Non, donc, ça m'a détruit. Donc, il y a des gens, ils devraient... Et c'est quelqu'un qui fait des conférences, c'est quelqu'un qui publie, je veux dire, je trouve ça... Oui. Alors, non, parce qu'il me montrait, il me disait bien qu'il disait que de toute façon, vous deux, c'était à l'infini. Je ne sais plus le mot qu'il m'a dit, c'est à l'infini, c'est pour toujours, c'est pour tout le temps. Ouais, d'accord. C'était important pour lui de me parler de votre rencontre, parce qu'il dit, nous, on aurait fui, sans les parents, on aurait fui des deux côtés. On était jeunes et on aurait fui tous les deux. Ouais. Mais c'était l'objectif, hein, parce que les familles ne voulaient pas, donc c'était l'objectif. Et vous seriez descendu dans le sud de la France, il me disait. Ouais, chercher le soleil, hein, voilà. Et vous auriez, de toute façon, si vous l'auriez fait, il était possible dans votre destin de vie de le faire, vous l'auriez fait, ça aurait été... on ne peut pas revenir en arrière, malheureusement. Il disait que c'était un cadeau pour vous et que c'était important maintenant de faire cette séance. La rencontre que vous avez faite avec moi, si elle est même par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, ou je ne sais pas comment ça s'est passé, c'est que lui, il a choisi aussi. Vous voyez ? Oui. Voilà. Oui. Voilà, voilà, Anna. Oui, c'est très gentil. Et on peut vous consulter tous les combien ?